Hello tout le monde, on se retrouve sur Octopath Traveler 2 pour vous montrer comment obtenir la vraie fin du jeu. Pour ça, il faudra déjà avoir terminé les 8 histoires principales de nos héros et les 4 histoires croisées. La quête du voyage vers demain sera alors disponible et on devra par la suite se rendre au sentier sud de Bois-Sauvallon. Une fois sur les lieux, on y retrouvera un feu de camp et une cinématique va alors se déclencher. Et là, on s'aperçoit que les ténèbres vont engloutir le monde, et on devra alors se rendre à Flamme de Clergé pour en savoir un peu plus. Devant l'église, l'équipe fera la rencontre d'Alcanet, que l'on finira par affronter. Une fois qu'on l'aura vaincu, on devra rallumer les 4 flammes sacrées qui se sont éteintes, et pour ça, on aura besoin du miroir lustré, et de mettre dans notre équipe les 2 personnages qui représentent les classes des 2 statues. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer l'emplacement de ces 4 flammes. Et voilà le travail. Maintenant que les 4 flammes sont rallumées, on constate qu'elles se rejoignent en un point fixe sur la carte. On va alors prendre le bateau et nous rendre sur les lieux. En fait, c'est sur cette île qu'on affrontera le boss final, et honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus galérer que ça. Pour réussir facilement ce combat, je pense que tous vos personnages devront être au minimum niveau 55, et la particularité de ce combat, c'est que nos 8 héros vont tous combattre en même temps. L'affrontement se fait en 3 phases, et dans chaque équipe, j'ai au moins mis un tank, un DPS et un healer. En alternant au bon moment entre les 2 teams, le combat se fait plutôt bien. Et ce qui est vachement pratique, c'est que lorsqu'une équipe combat, l'autre récupère en même temps DPE, et c'est juste parfait pour faire de gros dégâts. Une fois bâti, on débloquera la véritable fin, et du coup je vous souhaite bon courage pour vaincre ce fameux boss. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, tous mes liens sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!